Bokeror v'shem Hashem, naseh v'naseh en ce mercredi 16 du mois de novembre et déjà 22 du mois de Marcheshvan, Bezrat Hashem Yitbarach. Nous avons aujourd'hui un shiur qui a été acheté par Nicole Attal à Yekara, Bezrat Hashem, que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille, pour la refouach lemar, la manéra urgente de son fils à Yakar, Marc Aaron ben Nicole Emma. Il doit subir une opération importante aujourd'hui. Que tout se passe bien pour Sarefoua Shlemas, Ruta Torah Taken, Baado, et pour tout le peuple d'Israël. On pensera en même temps à une grande Achlama Meira, au Briou Tetana pour tous les malades d'Israël. Ezrat Hashem Yitbarach, Moratimi Sarata Batfrat Miriam, Siena Ben Esther Achaya, Ruchama Esther Batrivka, Jean-Luc Shlomo, Ben Zeir Amir, Ben Rutsofan, Ishto Aikara, Sarah Bat Sassia, Joël Miriam Bat Sarah, Eric Shua, Chai Ben Arlet Kouka, Nossi Rachel, Bat Sylvette Gezala, qui on souhaite vraiment aussi une grande Refoua Shlema. On dit tous que Akol et Tova, Begamzo et Tova, mais les épreuves n'en restent pas pour autant moins très difficiles. Chaya Batsara et Robin Amos Avraham, Haim Ben Amalia Malka aussi, à qui on souhaite Bezrat Hashem une grande refouach shlema. Ou l'Elef Elfev Dalim, on pensera aux morts d'Israël qui sont partis, qui ont des fois personne qui fait le Kaddish pour eux, ou qui n'ont pas de Mikidi Felaskara, ce qui n'est pas le cas des gens ici présents, Aval. De façon générale, Kol Mete Israël, René Machlou, Ben Sarah, Gisèle, Mazal, Bat, Sepora, Ronan, Sion, Ben Myriam, Mordechai, Gérard, Yosef, Ben Israël et tous ceux que je n'ai pas cités. Et bien entendu, une grande réussite pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'acheter des shiurim, bracha, bat, sacha, bechol, maasedichem, amen, ve, amen. Hier, j'ai fait une très jolie choupa à Nestion. Que Dieu bénisse ce couple avec un Ben Zahara Shana pour ces deux belles familles qu'on a rencontrées. Et en même temps, je suis tombé sur un très large tzibour, un très large public. Où je me suis fait vraiment féliciter pour mes interventions sur les réseaux sociaux par mes shiurim, par mes interventions au niveau de cette mise en garde que j'ai fait sur ces polémiques très sournoises, je trouve d'ailleurs, à propos de ce qui s'est passé dernièrement, sans rentrer encore dans les détails. Mais voilà, quoi, juste pour vous dire que vous êtes nombreux à regarder les cours et beaucoup m'ont dit hier que ça avait vraiment changé leur vie, qu'ils se sont beaucoup plus rapprochés. Il y a même une personne de 40 ans qui m'a dit « Écoutez, j'étais fâché avec le judaïsme, en redécouvrant vos cours depuis Rosh Hashanah dernier, j'ai refait une belle teshuva, donc je suis content. Je suis content que cette caméra, en fin de compte, que je n'ai pas demandé il y a 12 ans ou 13 ans en arrière, je ne me rappelle même plus quand, eh bien, puisse faire participer d'autres personnes à un éveil du judaïsme et de la Torah, et qu'on se rende compte justement que le chemin des tzadikim est un chemin précis et qui demande une ordonnance, beaucoup d'humilité. C'est ce qu'on va voir dans ce shiur, puisque dans cette paracha de Chaye Sarah, on nous parle de la mort de Sarah et Menou, Aléa Shalom, et puis ensuite de Avraham Avinu. Dans le début de cette paracha Sarah et à la fin de cette paracha, le départ d'Abraham Avinu. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que, comme vous le savez, on en a souvent parlé, assez choquant, je dirais, nous avons constaté que dans bien des maisons juives, nous y trouvons des cadres de tzadikim qui n'ont aucun lien de parenté avec nous dans l'absolu, et encore moins même selon notre origine. Par exemple, on pourrait très facilement trouver dans une maison de Tunisien la photo du Rabbi de Lubavitch en plein milieu du salon. C'est un Tunisien, on ne parle pas de Rabbi Chaim Teblomet, on ne parle pas de Rabbi Chaim Hori, ou du Rav Chalfon à Cohen, on parle vraiment du Rabbi de Lubavitch, qui, Baruch Hashem, est une très 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 grande figure du judaïsme. Et d'accord, mais quel rapport avec toi, à la limite? Et on voit que si tu mets une photo du rabbi, alors mets la photo de ton papa à côté, ou de ton grand-père à côté, ou de ton arrière-grand-père, qui au niveau des générations, tu lui dois la vie, car au niveau biologique, tu es né par ses entrailles à lui. Mais la reine, il est très curieux de voir que nos tzadikim se trouvent partout. Même après leur mort, on voit des photos de tous les tzadikim, de toutes les origines du monde entier, dans les Beth Knesset, dans l'entrée, on ne met pas de photos de Tzadikim dans une synagogue, mais dans l'entrée, on peut en mettre, dans le Mavo. Et quand on va chez les gens, et ce qui est encore de plus curieux, c'est que quand on a des problèmes, on va sur les tombeaux des Tzadikim pour prier, comme Aran Hara Ovadia Yosef, qu'on peut retrouver dans énormément de maisons, Baba Salé, Alava Shalom, et bien d'autres, Baruch Hashem, Chafetz Chaim, juste au-dessus du lit de mon fils, il y a une grande, grande photo du Chafetz Chaim, et pourtant, il est de Russie à la base, il est de la ville de Radin. Quel rapport avec nos origines? Eh bien, la réponse est simple. Chaque personne qui aura suivi ce mode d'emploi qu'on va lire, qui s'appelle « Sur le chemin des tzadikim », eh bien, sera le père de tout juif, et peu importe de quel lieu il vient,
peu importe que tu sois tunisien, algérien, marocain, ashkénaze ou autre, c'est pas important. Dès qu'on est dans la Torah, on devient automatiquement un oncle, Dod, qui veut dire amour aussi, mais aussi un père. Et c'est pour cela qu'on doit étudier toutes les tendances. C'est un combat que je mène depuis plus de 30 ans, à emmener ceux qui veulent me suivre, en tout cas mes amis dans l'étude de la Torah, à partager, Bezrat Hashem, les écrits du Rav Kook qui sont incommensurables, pas facile tout le temps à comprendre parce qu'il est d'une très grande profondeur, du Maharal de Prague, du Ramchal, de Rabbi Yaakov Bochatzera, de tous les Rishonim et Acharonim. Il est impératif que chaque juif, Bezrat Hashem, puisse profiter de la sagesse de tous nos rabbanim sans en disqualifier un seul sous prétexte que le sien serait mieux que celui de l'autre. Sans oublier, bien sûr, Moreno Arav, Rabbi Nachman de Breslev, et bien entendu, Rav Shteman, de qui il y a tellement à apprendre dans son humilité et sa grande sagesse. Partout où on va, nos tzadikim ont marqué vraiment une empreinte historique et définitive de leur existence sur Terre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Nous sommes en 2022, avec des appareils ultra-modernes aujourd'hui. Une avancée technologique comme jamais on n'aurait pu même l'imaginer. Quand on regardait Cosmos 1999, ce genre de série à deux balles, quand on était jeune, on disait, tu vois pas qu'un jour on arriverait à faire ça et ça. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des mondes... Bientôt, il y a la voiture à eau qui va sortir, qui existe déjà d'ailleurs. On avance vraiment vers des horizons qui sont impressionnantes. Et pourtant, ce qui pourrait paraître à nos yeux de façon historique ou préhistorique reste toujours d'actualité dans tous les cœurs juifs, dans toutes les bouches du peuple d'Israël. C'est la Hiloula de Rabbi Haïm Taïb Lomet, c'est la Hiloula de Rabbi David Moshe. Tu l'as connu, toi, Rabbi David Moshe? Non. Il est de quel pays? Je ne sais même pas. Il est du Maroc. Combien de gens vont sur sa tombe? Combien de gens prient sur sa tombe? Rabbi Moshe Deri Zatzal. J'aurai que par lui, Rabbi David Moshe. Il y a tzaddik yesodolam. Et combien de tzaddikim chassidim? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour rapide, à savoir comment on peut devenir soi-même ce que eux ont été, parce que cela nous est offert sur un plateau en or depuis que nous sommes venus sur Terre. Chaque personne, homme comme femme, Ine Sarah Emenu, Chaye Sarah. Les femmes disent souvent, on les mis de côté. Pas du tout. Regardez bien. Kraye Sarah. Vous voyez que la Torah met une paracha au nom d'une femme, mais parce qu'elle a mérité. Et la Torah met au nom d'un homme, parce qu'elle a mérité. Par exemple, Noah, nous avons la paracha. Nous avons la paracha de Pinchas, parce qu'il a mérité. C'est ce qu'on va voir. Il y a des noms d'hommes, il y a des noms de femmes. Personne n'est mis de côté. Mais pour ça, il y a une recette. Et quelle est cette recette avec l'aide d'Hachem? C'est ce que nous allons voir. Même si dans l'absolu, je ne vais pas publier tout le monde, mais si vraiment on suit ce mode d'emploi qui s'appelle « Sur le chemin des tzadikim », je vous affirme que Bezrat Hashem, on sera capable de laisser un nom. Le but, c'est pas ça. Hein. Le but, c'est pas de laisser un nom, d'être connu. N'oubliez pas, faites-moi une ascara. C'est pas ça, même si ça vaut vraiment le coup. Je peux vous dire que quand on part de ce monde, mon Dieu, combien on pleure de ne pas suivre la Torah et les mitzvot, combien on pleure le gaspillage du temps qui nous a échappé, qu'on a laissé partir dans la poubelle, parce qu'aujourd'hui, on est là et demain, on ne le sera pas. Donc, longue vie à nous tous. Ahlama meira urfoa shlema pour ce tzaddik qui fait son opération aujourd'hui. Et on commence tout de suite ce shiur. La Mishnah dans Masechet Avot nous dit « En milavin leula adam et la Torah mzot umasim tovim » quand une personne, donc un juif, comme le cas de Sarah et d'Abraham, dans le cas échéant de notre paracha, part de ce monde, rien ne l'accompagne, ni ce qu'il a acheté, ni l'argent qu'il a mis de côté, et encore moins les immeubles qu'il aurait acquéris, ou la belle, le beau carrosse de leur époque, ou notre voiture d'aujourd'hui, rien ne vient avec l'homme. Tout le monde connaît l'histoire de ce multimillionnaire canadien qui avait laissé un énorme héritage à ses enfants et qui avait simplement demandé une chose, c'est d'être enterré avec ses chaussettes. Et donc les enfants ont voulu accomplir la volonté du père, vous le savez, tout le monde connaît cette histoire. Et dans la tzavat, comme dit le testament, je vous demande juste une chose, mes enfants, toute ma fortune est entre vos mains, mais enterrez-moi avec ma paire de chaussettes, c'est tout ce que je vous demande. Et ils ont été prêts à payer plus $1 million à la Chevra Kadisha pour accepter l'idée de l'enterrer avec ses chaussettes. Et la Chevra Kadisha, donc les personnes qui s'occupent d'enterrer les morts, lui ont dit « Mais si tu te donnais la terre entière, on n'a pas le droit. » Quand on enterre une personne, elle est intégralement nue dans un pyjama et un drap. Pourquoi? Parce qu'elle va juste dormir, comme quelqu'un qui prend un pyjama et un drap. Mais on n'a pas le droit de l'enterrer avec ses chaussettes. À la fin, les enfants se sont résignés puisque il a fallu enterrer comme leur papa. Et le notaire, après l'enterrement, quand ils sont venus après les 7 jours pour voir qu'est-ce que le père avait laissé à qui et à quoi, ça a commencé par la phrase suivante. « Vous voyez, mes enfants, Dieu m'a donné
une grande réussite sur terre. J'aurais pu acheter ce que j'aurais voulu. Je vous ai laissé une énorme fortune. Ne vous laissez surtout pas aveugler par cet argent que je vous laisse. Car vous constaterez que moi-même, pour tout l'or du monde, même une paire de chaussettes, je n'ai pas pu la prendre avec moi dans la tombe. Une histoire que tout le monde connaît, qui s'est passée au Canada. Et elle est très symbolique par rapport à cela. On ne prend rien. On court après des choses pour bien vivre le moment de la vie. Aval dans le Tachlès des choses, on ne prend rien. Donc, à quoi sert tout cela? Alors, bien sûr, on n'est pas non plus des anges. On a besoin de vivre, de manger, de voir nos enfants dans la prospérité. Il n'y a pas de misère de souffrir dans la Torah. Mais est-ce qu'on a été ce qu'il fallait être avec les éléments que Dieu nous a donnés? Ce shiur commence par petit 1, Torah. Comme le dit la Gemara dans Masechet Shabbat, la Medalef, Kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Combien de temps gaspillé nous avons laissé passer devant nous, alors que même en dormant, au lieu d'écouter des bêtises, on aurait pu écouter par exemple un Dvar Torah, et s'endormir avec de la Torah. Peut-être qu'on n'aura pas tout entendu, mais peut-être une phrase, un mot, une halakha, une seule loi juive. Combien de temps on a passé dans le bus à discuter pour rien dire, alors qu'on aurait pu étudier la Torah? Si vous me dites dans la vie que, alors quoi, il n'y a que la Torah, on ne peut pas parler d'autre chose? La réponse est, dans l'absolu, oui, il n'y a que la Torah, on ne peut pas parler d'autre chose. Parce que tout le reste ne sert à rien. Par contre, on peut parler de travail à travers les lois de la Torah. La Torah parle de tout. Ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'on a séparé la matérialité de la Torah. C'est très très chrétien au niveau de l'idéologie, comme les moines dans les monastères. La Torah ne nous demande pas de vivre dans des boîtes de conserve. Pas du tout. Je ne critique pas les chrétiens, j'explique simplement des idéologies et des théologies qu'on peut constater. Il n'y a pas le côté « je suis spirituel » et l'autre est homme. La Torah veut une spiritualité dans l'homme. Ça veut dire un homme doit épouser une femme et avoir des enfants ensemble, dans une maison. On me dit, Rabbi Nachman, chacun doit posséder un bout de terre sur terre. On est des hommes. Seulement la différence qu'il y a, c'est que quand on entend les gens qui disent « quoi, il parle que de Torah celui-là, il n'y a que de la Torah ben, ». Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on peut parler de ce que tu veux, mais la Torah se trouve dans tout ce que tu veux. La question, c'est est-ce que tu es capable de l'apprendre ou pas cette Torah-là? Le mat d'avoir domé, c'est comme quelqu'un qui met ses mains dans la boue, il y a plein de cailloux, au lieu de chercher le diamant qui s'y trouve, parce que dans chaque boue, il y a un diamant, il prend que des cailloux. C'est-à-dire que je vais faire un récapitulatif, je vais te poser une question en toute franchise, Jérémy, de toutes les discussions, il n'y avait pas de Torah, qu'est-ce qui te reste aujourd'hui, maintenant? Je ne m'entends pas. Rien. Tu es sincère? Je peux te l'affirmer. De toutes les discussions qui n'étaient pas Torah, qu'est-ce qui te reste maintenant, aujourd'hui, comme richesse, comme souvenir, comme satisfaction? Rien. Tu peux faire ça avec n'importe qui, rien. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'étais assis à côté de jeunes personnes de 16-17 ans, et pendant une heure, à côté de moi, ils parlaient de football. Bon, je veux bien. Et j'ai attrapé deux personnes, je leur dis, voilà, je suis à côté de vous depuis tout à l'heure, j'essayais d'étudier un petit peu, j'y arrivais pas que je suis un sadique, je ne suis pas un sadique, mais j'essayais un peu de me concentrer. Et je vous entendais parler de foot, Je peux vous poser une question, qu'est-ce qui vous reste de cette discussion? Ils m'ont regardé, les tombes, rien. C'est dommage. Alors vous me direz, ouais, mais on n'est pas tous initiés à l'étude de la Torah. Il y a des matchs de foot, on va en parler. Je suis d'accord. Mais au moins sur cette heure, au moins une idée à prendre dessus, quelque chose, une moralité à prendre dessus. Du style, quand on ne passe pas la balle à l'autre, on n'arrive pas à atteindre son but. Dans la vie, ce n'était pas en société, si tu ne penses pas à l'autre, je ne sais pas. Une moralité, ok, pas un bar 3, une moralité à prendre. Rien, stam. Stam. La vie est stam. Alors sur un moment, et ça c'est du Yetzer Hara, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on est emprunt, comme je vais te sortir une discussion qu'on avait tous quand on était jeunes. T'as vu le dernier James Bond? Réponds-moi, oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Et t'as vu quand il fait? Mais il vient de te dire qu'il l'a vu, pourquoi tu lui dis? Parce que j'ai rien à dire. C'est-à-dire que, et il faut savoir une chose, dans le plus grand cancer des couples, et j'ai pas peur d'utiliser ce mot parce qu'il est tellement vrai pour les couples, c'est qu'ils n'ont rien à se dire, on en parlait hier. Les couples n'ont rien à se dire. Ça va, ouais, c'est bon, c'est bon. Le petit, il avait, ouais, nous, t'as rien à dire, t'es pas intéressant. Un homme se doit d'être intéressant. N'oublie pas que dans le couple, l'homme c'est le soleil et la femme c'est la lune. C'est à l'homme d'engendrer des bonnes discussions sans dériver dans la chanora, moti chamra, de parler des uns et des autres. Mais sois intéressant. Si tu n'étudies pas la Torah, si dans la voiture, au moins un petit Dvar Torah, aujourd'hui il y a toutes les possibilités pour un peu plus de Torah. Tu rentres à la maison, tu écoutes, j'ai entendu une histoire à la radio, je t'ai partagé. Ah bon? Oh, c'est super. C'est comment ta femme, elle est fière de toi? T'es là, et comment faire la fin du mois? Dis-moi, on va au mariage demain? Super, mais bon, t'as pas autre chose à dire. J'ai pas dit qu'il faut pas le dire. Hein. Le ciel est bleu, mais ce qui fait sa diversité, c'est les nuages. C'est-à-dire, c'est beau des nuages blancs dans le bleu, mais que des nuages, ça devient lourd. C'est ce que je veux dire. Rechem Bezrat Hashem, nous avons la Torah et nous devons profiter à chaque moment, puisque quand on partira de ce monde,
Eh bien, Dieu nous pose la question, Kavata etim la Torah. Il n'y a pas simplement le fait d'étudier la Torah, mais au moins qu'une personne se donne le luxe 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, 2 halakhot le matin, 2 halakhot le soir. Sur le chemin de Tzadikim, eux étaient toujours en train d'étudier la Torah. Moi, j'ai constaté, je finirai avec ce premier pas vis-à-vis de la Torah. Rabbi Moshe Ederi, Morav Zatzal, chaque fois que je posais des questions, il me répondait. Et je lui parlais tout sauf de Torah. Quand j'ai commencé à vraiment me renforcer, j'ai commencé à lui parler de Torah. Mais quand je parlais de travail, je parlais, excusez-moi pour m'employer à l'époque, de copine, Rabbi Moshe, il me donnait des réponses. Quand je suis rentré en yeshiva en 1987 et que j'ai commencé à étudier pour la première fois de ma vie la Torah orale, ben, je me suis rappelé de toutes les phrases qu'il m'avait dit. Il me répondait que par la Torah. Il n'avait que de la Torah dans la bouche. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est-à-dire que tu pouvais lui parler de n'importe quel sujet. Il te sortait des réponses qui correspondaient à tes attentes, dans le sens où tu poses une question de quelle heure il est, il ne va pas te dire le mur est blanc, il va te répondre, mais il te répondait par un pasouk de la Torah. Ce qui fait que ce sont des tzadikim qui, comme c'est marqué pour Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la Gemara, « Me'olam lo tzid ivre chulin mipiv » Jamais il a sorti une parole de chol, de profane, de sa bouche. Quand c'est des tzadikim gomorim, aval dans le tachlès des choses, nous on est des gens benonim bekoshi. Tu peux parler, tu veux quoi? Parle une heure de foot. Allez, parle au moins 10 minutes de Torah. Ah, t'as vu la comparaison? Tu comprends ce que je veux te dire? La parole coûte cher, la parole a un point important. La reine Bezrat Hashem, Kavata etim la Torah. Tout comme tu es capable de toujours fixer un temps pour toutes sortes de choses qui, à tes yeux, sont intéressantes, menées par un système intérieur de pulsions qui, des fois, sont animales. De la même façon, arrête le temps parce que sache que tout ça, tu ne le prendras pas avec toi. Ces moments-là qui viennent de partir ne reviendront plus jamais. Et c'est dommage que tu ne les aies pas un peu investis dans la Torah. C'était la première chose que je voulais partager. La deuxième, les mitzvot. L'accomplissement des mitzvot, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un ange. Comme ça dit la Mishnah. Chaque fois qu'on fait une mitzvah. Il n'y a pas pire au monde que de savoir la Torah et que de ne pas la vivre. Comme le dit la 17e Mishnah, Lo Hamidrash, premier chapitre de Maseret Avot, Haikar et la Amaase. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir la Torah, c'est de la vivre. La faute originelle a été basée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais s'ils avaient mangé de l'arbre de vie, ils auraient été récompensés. Pour nous apprendre quoi? Que le but de ce monde dans la Torah, ce n'est pas de la savoir, c'est de la vivre. Et donc, quand tu étudies qu'est-ce que sont les lois des téphilines, maintenant il faut les mettre. Quand tu apprends les lois de la tzedaka, maintenant il faut le faire. Quand tu apprends les lois du lachonara, ouais, ben maintenant il faut l'appliquer. Il ne faut pas parler des uns et des autres. Sauf. Alors, je fais une parenthèse pour toutes ces personnes gentilles qui, quelque part, ne savent pas vraiment de quoi ils parlent quand on intervient sur les réseaux sociaux, parce que certaines personnes sont intervenues sur les réseaux sociaux et trompent avec toute forme de sournoiserie dans les mots, jouant un petit peu avec c'est pour le buzz, c'est pour le film, c'est pour ceci et cela. Faites très attention. Quand quelqu'un d'ailleurs lui a posé la question. Un moine lui pose la question, est-ce que tu pries leur Vierge Marie? Il a répondu, oui, absolument, oui. Il répond ouvertement. Donc il y a une espèce d'hypocrisie au niveau de la façon de dire les choses et de faire les choses. Et dans ce cas-là, je tiens à le dire une fois pour toutes, non seulement ce n'est pas du Lachonara, on ne dit pas le mot Shonara. Bref, du tout, vous ne faites pas du Shonara, d'abord on dit du Lachonara. Shon, ça n'existe pas. Il y avait Shon Connery, par contre. Mais il n'y a pas. Premièrement. Et deuxièmement, je vous demanderai juste une chose. Faites attention quand vous... Moi, je ne suis pas un grand rap, je ne suis rien du tout. Vous pouvez demander à mon épouse, je n'ai jamais dit « moi et moi ». Mais évitez tout le temps de vouloir donner des leçons à des personnes qui étudient les lois du Lachonara depuis 30 ans. Je ne fais pas de Lachonara. Il y a une mitzvah dans les lois du Lachonara. Quand le nom de Dieu est falsifié, quand il y a un Chilul Hashem qui se fait en public, quand on trompe les gens à ouvrir la porte à l'assimilation, c'est une obligation d'intervenir. Je vous pose une question. Qui a rapporté le shalom chez Dieu dans la paracha de Pinchas? Pinchas ben Elazar ben Aaron Akohen. Qu'est-ce qu'il a fait? Eshiv et Tramati. Dieu dit Kol HaKavod. Pourquoi il y a un Chilul Hashem qui a été fait en public? Donc qu'est-ce que fait Pinchas? Il intervient en public. Là où tu as fait le Chilul Hashem, nous sommes obligés d'intervenir. Il y a un Chilul Hashem qui a été fait sur les réseaux sociaux. Sur ces mêmes réseaux sociaux, nous devons intervenir. Quel intérêt j'ai, moi, dans tout cela? Absolument aucun. Je n'y gagne rien si ce n'est que de me faire ou soutenir par des personnes ou injurier ou insulté par d'autres personnes, et je le répète encore, toute insulte dit à mon égard, parce que je suis intervenu sur les réseaux sociaux avec des lois et des références, pas en amenant des rabbins réformistes et libéraux qui vont te,
de dire ce que tu as à dire et que tu reçois des coups de téléphone, mais Rav Tito, oui, on peut ou pas rentrer dans les églises. Je ne veux pas relever la polémique. C'est juste pour vous dire que c'est des ch'touyot de Mitzvah Gvaniot et que c'est une obligation d'intervenir sur les réseaux sociaux et de dire que ici il y a une tromperie, faites attention, c'est interdit que les goyim fassent ce qu'ils veulent de leur vie. On n'est pas là pour les juger, qui vivent du matin au soir dans les églises. C'est leur problème. Je parle aux juifs, je parle à la communauté juive. Faites attention à l'assimilation, c'est interdit. Je vous en ai fait un chiour avec plus de 13 références. Allez le voir. Là-bas, moi, je ne dis pas ce que je pense. Je ne parle pas de ma philosophie et de mon ressenti. Je vous amène des références. Quand on parle au nom de la Torah, on vient avec des références, on ne dit pas ce qu'on pense. C'est-à-dire, quand on entend des abrutis qui disent en public avec des juifs qui écoutent, qui ne savent pas, il n'y a aucun interdit de rentrer dans une église, mais va étudier la Torah, mon pote. C'est pas ce que tu racontes. En plus, tu te fais passer pour un rabbin. Dans quel monde on tombe? Et les gens, après, ils t'appellent en disant, mais Rav Tito, alors on peut ou on peut pas? Parce que je pars en Italie, je voulais savoir si vous pouvez voir les dessins de Léonard de Vinci. Assour, Tchouvaï Assour, Makaralecha. Rav Ovadia Meforash, Rav Moshe Feinstein, le Rambam Meforash. Combien tu veux de références? Vous savez combien j'en amène là-bas? Ben Ishraï Meforash, Makaralechem. La reine, dans ce cas-là, on a vu Pinchas, qu'est-ce qu'il fait? Il tue deux juifs. Tu n'as pas honte? Non, un juif et une non-juive. Tu n'as pas honte, comme ça tu les tues en public? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, cette même Bible qui nous demande de ne pas faire la chanara, de s'aimer les uns les autres, elle récompense Pinchas parce qu'il a mis un frein à tout cela. Donc, arrêtez ce côté, ça me paraît tout sans toi, deux balles, de toujours dire au rabbanim, si ce qu'on dit ou pas c'est du la chanara, je m'assume devant Dieu, au contraire, je peux vous affirmer que pour mon intervention, je serai récompensé du ciel. Par contre, ceux qui ne sont pas intervenus alors que les communautés françaises juives sont au bord d'une hésitation dans l'assimilation, eux rendront des comptes. On n'a pas le droit de se taire quand on touche à l'honneur de la Torah, de la halakha, du peuple d'Israël et de Dieu. On n'a pas le droit de se taire. C'est assourd. Et si on ne le fait pas, on rendra des comptes. Zéhou. Donc voilà, je voulais juste refermer cette parenthèse. Torah ou mitzvot ou masim tovim. À toute occasion, une personne pourra pratiquer les mitzvot, il se devra de le faire. Maintenant, les mitzvot, je vous dis franchement, qu'est-ce que c'est une mitzvah? Notre ami Lionel, technicien aujourd'hui de Tratraïm, m'a posé une question quand il est rentré dans le bureau. Il met le micro juste avant de filmer. Il me dit une question pour vous. Je lui dis, écoute, mais qu'est-ce que Dieu en a à faire qu'on mette Tefillin ou pas? Bon, on pourrait répondre à toutes ces mitzvot. Donc j'ai répondu comme ça au tac au tac. Mais la vraie réponse, mitzvah, ça s'écrit même tzadi, mitzvah, vavhe, d'accord? Comme ça. C'est-à-dire mitzvah Hashem, d'une ordonnance divine. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est parce qu'on l'écoute. C'est-à-dire que Dieu, il est Dieu. Mais comment je peux le destituer de son poste de Dieu? C'est pour ça qu'on a la fête de Rosh Hashanah qui vient remettre les pendules à l'heure. Hamelech HaKadosh, Dieu est roi. Comment on peut faire de Dieu Dieu? Ben si je l'écoute. Mais si Dieu il me dit quelque chose et que je ne l'écoute pas, c'est que je n'en ai pas fait mon Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit dans la Torah, vous n'irez pas après d'autres dieux. Et pourquoi tu les appelles d'autres dieux? Tu es en train d'avouer toi-même qu'il y aurait d'autres dieux quand tu dis vous ne suivrez pas d'autres dieux. Non, la Torah vient nous apprendre que celui qui sera Dieu, c'est celui qui t'écoute. C'est comme une mère, elle dit à son fils quelque chose divorcé de son mari. De toute façon, elle dit à son fils, toi tu m'écoutes jamais, t'écoutes que ton père, on dirait ton Dieu. De la même façon, quand on n'écoute pas Hachem, mitzvah Hachem, quand on fait une mitzvah, c'est qu'on montre à Dieu que Bémet, il est Dieu. C'est la première intention. Je le fais parce que Dieu me le demande, et comme il est mon roi, comme il est mon Dieu, je le fais. Ça ne nous empêche pas par la suite de comprendre le ta'am des mitzvot, c'est-à-dire le but des mitzvot. Mais il faut savoir une chose, que tout comme un corps ne vit parce qu'il n'y a qu'une âme à l'intérieur, une mitzvah ne vit que quand on y met une âme. Et l'âme qu'on y met dans chacune de nos mitzvot dans ce monde, comme on fait nos avot agdoshim, c'est quand on y met tout son cœur. C'est important d'ouvrir son cœur dans l'accomplissement des mitzvot, de le faire sans préjugés, de le faire mamash mikol à lev. Lev patuar sim, lev. Fais attention, prête attention. Quand tu as un rendez-vous avec une mitzvah, reste concentré sur cette mitzvah-là et fais-la de tout ton cœur. C'est-à-dire, dans le domaine technique, fais-la comme il le faut, mais qui met cette filine, il met la boîte là, sur le côté, la mitzvah n'est pas bien faite. Il faut que les tefillines soient contre le cœur, car les tefillines atténuent le yetzerara qui est dans le cœur. Je mets là, je ne mets pas sur le côté, je ne mets pas trop en haut, je ne mets pas trop en bas, entre les deux yeux, chas v'sham, comme le font les karaïtes. Ainsi donc, je dois la pratiquer au niveau technique, ilchatiquement parlant. Mais une fois qu'elles sont sur ma tête, je dois introduire les parchemins dans ma tête, c'est-à-dire vivre la mitzvah. Qui ici a mis un sourire sur ses lèvres ce matin quand il a mis cette tefillines? Ben non, on a mis des boîtes noires sur le bras et sur la tête. Pourquoi? On le sait tout. C'est-à-dire c'est shigrati. Et ça, c'est dommage, parce que c'est une mitzvah qui, quelque part, on lui a créé un corps, mais il n'y avait pas de cœur à l'intérieur. On doit être sa mère de donner de la tzedaka. On doit être sa mère de mettre la mezouza à sa place. On doit être heureux de vivre nos mitzvot. Donc nous avons ici l'étude de la Torah, nous avons les mitzvot. Et le troisième, ma'asim tovim, les bonnes actions. Sur ce, j'aimerais vous dire quatre points importants, ce qu'on appelle les bonnes actions.
quand on veut être quelqu'un de bon et de généreux sur Terre, quand on veut être quelqu'un de réussi, la première devise, t'as jamais un ? La première devise, je parle à lui comme je parle à tout le monde et je parle à moi-même. Hein. Tout ce que je dis, je ne suis pas un prof qui vient parler à des élèves, je suis un ami qui partage de l'étude avec vous et mes enseignements se retournent aussi sur moi. Je ne suis pas mieux que vous, qu'on se comprenne bien. La première devise d'un homme de Dieu, d'un vrai homme de Dieu, c'est de jamais faire de mal à personne. Sauf si, bien entendu, une fois de plus, la personne, elle est messite. Demande à vos rabbanim, qu'est-ce que c'est messite ? Il incite les autres à s'assimiler. Dans ce cas-là, c'est interdit d'avoir et de la pitché, selon la Torah. 5 interdits. Il n'y a aucun problème de dire du mal et de mettre les points sur les i. C'est-à-dire, on soigne des fois les personnes en les opérant. On verse le sang, on coupe, c'est douloureux, ça fait mal. Mais c'est pour le soigner. Même quand un rav ou un juif quelconque doit s'occuper d'une personne, la première règle, c'est de ne jamais faire de mal. Jamais. En tête de liste, nos parents. Chabed et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. C'est très difficile, parce que des fois, on a envie de répondre. La priorité d'un homme dans sa vie, c'est sa femme. Et pour une femme, son mari. Allez, vaille que Bezrat Hashem, du jour au lendemain, une personne prenne sur lui de ne jamais faire de mal à son épouse. Jamais. Je ferai mal, moi, je ne serai pas là. Pour le bien, tu me trouves. Pour le mal, tu ne me trouveras pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être d'accord ou d'être d'accord. On a le droit de s'exprimer. On n'a pas le droit de s'injurier, de s'humilier ou de s'auto-juger sur des amalgames d'une vie entière, sur un problème quelconque. Et la reine, n'oubliez pas ce détail. On ne peut pas faire ma'asim tovim si on fait du mal. Ça, c'est pas possible. C'est là ? Des fois, il y a quelqu'un, comme dans le visage, tu vas en point noir, c'est pas joli. Tu vas le percer, il y a du pus qui sort. Des fois, on fait du bien et on fait sortir du pus. Et la personne dit, aïe, ça me fait mal. Je parle pas de ça. Dans l'éducation, des fois, on doit être un peu dur. Sinon, les enfants, ben, vous voyez ce qui s'est passé, on leur a ouvert les portes de tout. On peut même plus dire en France, va dans ta chambre, attention, je t'appelle la police. C'est des tarés, les gens. Comment tu veux éduquer un enfant? Non, ne l'éduque pas. C'est lui qui va t'éduquer maintenant. Il suffit simplement de se rappeler de notre éducation à nous. Nous, on s'est pris des claques de nos parents, hein. Attention. Mais qu'est-ce qu'on est sorti de normaux par rapport à aujourd'hui ? Les gens deviennent fous. Ils veulent ouvrir des frontières qui sont la sécurité d'une éducation réussie. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dur avec les enfants. Makorepo. On referme la parenthèse. C'est Khliot Tov. Quelqu'un de bon, c'est la première base. Chassid. On remet tout le monde en question, mais est-ce que nous, on s'est remis en question ? Chez l'Akdola. Première base de nos avot akdoshim, de tous nos tzadikim, ils ne font jamais de mal à personne. Deuxième chose, sont toujours prêts à aider. Un vrai tzadik, quelqu'un qui veut vraiment faire de bonnes actions, tu peux aider, aide. Tu peux prêter, prête. Tu peux relever à la personne, relève-la. Tu peux lui trouver un travail avec un coup de fil, fais-le. Fais-le. Mais ne lui vole rien. Ne lui mens pas. Ne l'arnaque pas. Ne fais pas de mal. Ne fais jamais pleurer une personne à cause de toi. Jamais. Sois un homme classe. Comme souvent, enfin souvent non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois que quand j'ai des schlambaït, j'entends la personne parler, ouais, elle est comme ça. J'ai écouté, peut-être que vous avez quelqu'un, je fais sortir la femme, j'ai peut-être quelqu'un de côté, et que bah, la femme dit ouais, je suis avec quelqu'un. Ouais. Je dis, regarde. Au lieu d'essayer de trouver des défauts chez ta femme pour justifier ta médiocrité, ton hypocrisie, va la voir, dis-lui que tu n'as plus de sentiments, que c'est une femme superbe. Et que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, soit un homme au moins jusqu'au bout. Ah, mais j'ose pas, elle va avoir mal. Je dis, d'insulter comme tu es en train de le faire, c'est bien. Et de la descendre, que c'est bien. Dans la vie, il faut être droit. Il faut être droit. Tu as un problème, il faut être droit. Tu vas voir la personne, tu t'expliques. Peut-être qu'elle peut s'arranger, peut-être qu'elle peut faire un régime, peut-être que tu peux faire un régime, peut-être que tu peux t'arranger. Anilo Yodea. Aval dans le tarc, arrête toujours de te cacher derrière des miroirs pour refléter l'autre au lieu de montrer ta vraie personnalité. Dai. T'es quelqu'un de débauché. T'es quelqu'un qui aime arnaquer. Ben arnaque. Mais sois franc au moins. Je ne sais pas passer pour un gentleman. Je vais rouge d'abord. J'ai Adam, les olam, le yassé shumra. Et dès que tu peux aider, pour quoi que ce soit, tu vois une personne qui pousse sa voiture. Tu vois une personne qui. C'est des fois dans le parking, tu veux te garer. Rentre sur le trottoir, tu veux te garer. Il y a une personne qui est dans la voiture. Et toi, t'attends et tu déranges. Et la personne, elle te dit, vas-y, passe. Vas-y, chaval. Tu sais que si tu fais la mitzvah de sortir pour lui laisser ta place, et toi tu te gares un peu plus loin pour finir ce que tu avais à faire, tu lui libères la place, c'est que c'est une mitzvah. Des fois, il y a la queue qui attend dans les voitures. Et toi, tu le doubles. C'est vrai que c'est interdit à l'Pi Halakha. Tu n'as pas le droit de les doubler. Pourquoi? C'est Gezel Makom.
Zegezemakom. C'est-à-dire, tu voles l'endroit de la personne. Et la troisième chose, qui est pour moi la plus importante de tout, c'est tout comme on se doit à Bezrat Hashem de relever le nom d'Hashem partout où on va, de faire des brachot, de tous s'aimer les uns les autres, bien sûr. Que date Moshe Israël, comme le demande la loi d'Israël et de Moshe, et non pas comme nous on veut le faire, je suis pas ton cœur ni tes yeux, te dit Dieu. Les sentiments de l'homme l'ont souvent aveuglé. Eh bien, défendre l'honneur de Dieu partout où il est, sans aucune retenue. Si l'honneur de Dieu est froissé, si notre Torah est jetée par terre, si on ouvre les portes de l'assimilation, nous avons tous le devoir de nous lever comme des lions. Ça aussi, c'est la Gmilut Hassadim. D'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que le Midrash nous apprend qu'Avraham Avinu Alav HaShalom, quand une personne venait manger dans sa tente, il lui donnait tout gratuit. Poisson halal, damhot, la totale. Couscous boulette, kraoful, mashelot tirtze, ayam et kabel. Et qu'est-ce qu'il lui disait à la fin? Il lui disait à la fin, maintenant tu fais le birkat Amazon. Et il lui disait, pas du tout. Il sortait une statuette, il disait, moi je dis merci à mon Dieu. Avraham Avinu lui dit, alors tu dis merci à ton Dieu, j'ai pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu me dois 2 pièces d'or. 2 pièces d'or? Mais 2 pièces d'or, je peux acheter ta tente avec. Il lui dit, dans un désert, de manger comme tu as mangé avec des boissons et du vin comme je t'ai donné, tu comprends bien que ça vaut au moins 2 pièces d'or. Et la personne disait, en sortant ces 2 pièces d'or, bon, comment on fait le birkat Amazon? Avraham Avinu a mis toute sa fortune au service des autres à la condition où le nom de Dieu, du seul et unique, notre Torah, qui est de Shabbat Torah, est respecté. Les gens vont te dire, ouais, mais enfin bon, il faut respecter tout le monde et toutes les religions. Nous, on n'a jamais insulté les autres. On n'a jamais fait de pogrom chez les autres. C'est nous qui avons subi des pogroms. C'est nos synagogues qui ont été brûlées. C'est nos synagogues qui ont été froissées. On va peut-être remettre un peu l'histoire à sa place. Les juifs ne font de mal à personne. Au contraire. Au contraire. Je ne parle pas de quelques individus qui se sont vantés d'avoir fait des arnaques. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. On est à peu près 14 millions sur Terre. Combien il y en a qui sont publiés? 5, 6, 7? Remettons les choses dans leur contexte. 0,00001%. Am Israël Kedoshim. Le peuple d'Israël est un bon peuple. Mais chacun de nous, Bezrat Hashem, devons suivre ces 3 points, Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim. Et ainsi donc, on comprend pourquoi en 2022, dans toutes les batei midrashot et dans toutes les synagogues du monde entier ce Shabbat, on va parler de la mort de Sarah, de l'existence de Sarah, de la mort d'Abraham, de l'existence d'Abraham, de la concrétisation du couple de Yitzhak et de Rivka qui donneront naissance par la suite à Yaakov et Esav. Et la reine Bezrat Hashem, celui qui va aller sur le chemin des tzadikim, qui s'attache à ces 3 raisonnements, qui béhémet le feront rire après sa mort, et je vous affirme qu'il en pleurera s'il ne les met pas en pratique. Quel chaval méode d'être mené par le bout du nez par un yetzerara et des pulsions animales à demander ou à vivre ou à faire des choses qui en fin de compte ne nous apportent rien d'autre que peut-être le moment du plaisir qui se présente devant toi pendant que tu le vis. C'est chaval méode méode. Jusqu'à la chaîne Bezrat Hashem, de Bek Bakadosh Baruch Hu, et toujours se lever les yeux vers le ciel et dire Hashem, t'es fier de moi? J'aurais voulu faire ça, je n'ai pas fait. Sois pas quelqu'un de débauché, de sadique. La débauche, Dieu déteste. Hashem sonezima. Dieu déteste la débauche. Tout ça, c'est du purier de Serara. Il faut faire une psychanalyse, Baba. Tu as des problèmes dans ce domaine. L'homme est aveugle. L'homme devient fou. Quand tu regardes des choses qui sont interdites, tu te prends pour un acteur. Quand tu vois des choses qui sont incestueuses, tu fréquentes des gens qui gagnent malhonnêtement leur argent et tu le vois jeter de l'argent dans les casinos et à droite et à gauche. Bah, toi aussi, tu as envie d'être comme eux. La reine fréquente des gens qui sont Yireh Shamaim, des gens qui sont dans la Torah des Mitzvot, des gens qui, Baruch Hashem, t'amènent vers quelque chose où toi-même tu es fier de toi. Pas en train de toujours trouver. Ouais, t'as vu à quoi tu ressembles? Dis qu'en réalité, tu as envie d'aller voir ailleurs. Sois franc. Cette femme, elle t'a donné des enfants. Cette femme, elle t'a aimé. Cette femme, elle était là pour toi. Cette femme, elle t'a relevé. Où est ta gratitude? La reine. Torah, Mitzvot, Maasim, Tovim. Ce qui est Yeshua de Nechamot, on souhaitera Bezrat Hashem, par le mérite de ces quelques mots que nous avons dit, une grande réussite, une achlama mira pour Marc Aaron, Ben Nicole, Emma, à qui Bezrat Hashem, on souhaite une superbe refouah shlema, briut et anarichut yamim va la korirat shamayim. Mechila, impagati, je m'excuse si j'ai peut-être vexé des gens ou blessé, c'est pas mon but. Mon but n'est pas là du tout, au contraire. Aval, je le répète une fois de plus, chez David Twitou ici même,
On ne travaille pas ni pour vous, ni pour les uns, ni pour les autres. On travaille pour la Torah, les mitzvot, et on ne falsifiera, on ne va jamais falsifier, pardon, la Torah pour soi-disant être plus courtois. La Torah est émette, il faut être fier d'être juif, il ne faut pas s'assimiler, il faut écouter les divrei chachamim, si tu veux qu'après un certain temps dans ta vie, on se rappelle qu'un jour, tu es venu au monde. Baruch Adonai l'Olam, Amen, ve Amen.